Tiffany ? J'ai fait un signe en me garant à côté d'elle alors qu'elle sortait de sa voiture. Je me suis garée rapidement et je suis allée à sa rencontre. Hé, Sonia ? Une autre semaine à travailler au centre commercial ? Je ne comprendrai jamais pourquoi tu veux faire ça. Tu es riche ! J'ai rigolé. Il n'y a pas que la richesse dans la vie. Je lui ai donné un petit coup de coude. Et en plus, mes parents sont riches. J'aime juste aider les gens. Et je veux faire quelque chose de moi-même. Par moi-même, tu vois. À ce moment-là, je ne réalisais pas qu'un changement d'événement était sur le point de bouleverser toute ma vie. Vous voulez savoir ce que c'est ? Continuez à regarder. Hé ! Alerte au mec mystérieux ! Tiffany m'a fait un clin d'œil alors qu'elle s'occupait d'un client. Tous les samedis, un joli garçon entrait dans le magasin et regardait autour de lui, mais n'achetait jamais rien. Cependant, aujourd'hui, il s'est approché de moi. « Salut !» Ses yeux bleus éblouissants ont regardé dans les miens. Il s'est gratté la tête nerveusement. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» J'ai souri poliment. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais... » Il s'est raclé la gorge et a parlé rapidement. « Est-ce que je peux vous emmener au cinéma un jour ?»« Bien sûr, pourquoi pas ?» Il m'a dit qu'il s'appelait Dante et nous avons échangé nos numéros. Au cours des semaines suivantes, nous avons parlé tous les jours. Il était drôle et vraiment facile à vivre. Finalement, nous sommes allés au cinéma pour un rendez-vous. Après le cinéma, nous sommes allés à d'autres dates et après 3 mois, nous étions officiellement un couple. Un soir, alors que nous regardions un film, je me suis tournée vers Dante et lui ai demandé « Quel type de pizza devons-nous apporter chez Tiffany ce week-end ?» Hein ? Dante m'a regardé avec confusion. « Samedi, Tiffany nous a demandé de venir regarder un film ce week-end et on a dit qu'on apporterait une pizza. »« Oh oui ! Que dis-tu d'une hawaïenne et d'une pepperoni ? Ça a l'air bien !» Mais ce n'était pas le seul incident où j'ai parlé avec Dante et qu'il semblait désemparé. Une fois, il a oublié que nous avions fait des réservations pour un dîner. Une autre fois, il a oublié le nom de Tiffany. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand il a commandé du pop-corn au caramel avec des noix au cinéma, alors qu'il savait que j'étais allergique aux noix. Quand nous sommes retournés à la voiture après le film, je me suis tournée vers lui. « Dante, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai l'impression que tu es deux personnes différentes parfois. » Dante a baissé les yeux. « Je suis désolée, Sonia. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'étais un peu gênée et je ne voulais pas que tu penses que j'étais un monstre. » J'ai pris sa main. « Pourquoi je penserais que tu es un monstre ?» Dante a soupiré lourdement. « Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident de voiture et je me suis cognée la tête. Papa a dit que j'ai eu une amnésie d'environ 2 mois. Avant que tout ne revienne, tout le monde pensait que je me rétablirais complètement, mais peu de temps après que j'ai retrouvé ma mémoire, certaines de mes mémoires à court terme ont eu des trous, donc en gros, parfois j'oublie et d'autres fois non. Je comprendrais que tu veuilles rompre avec moi et ne plus jamais me parler. Dante, je suis vraiment désolée que tu aies eu à traverser ça. Je l'ai rapproché et l'ai embrassé. Tu es le seul que je veux. Dante a souri. Et si on allait chez moi un peu avant que je te dépose ? J'ai hoché la tête. Je n'étais jamais allée chez Dante avant. Quand nous sommes arrivés à la porte d'entrée, mes yeux se sont élargis. La maison était magnifique. Ça ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de riches et célèbres. « C'est magnifique !» ai-je dit en arrivant à la maison. Une fois installée avec un verre de vin, j'ai demandé « Alors, parle-moi de ta famille. » Je ne suis pas vraiment proche de ma famille. Après le décès de maman, nous avons grandi séparés. J'ai pris sa main. « Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas. Les choses s'arrangent généralement d'elles-mêmes. » Dante a rapidement changé de sujet. On a traîné ensemble pendant quelques heures avant qu'il ne me dépose chez moi. Alors que j'étais au centre commercial, à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour mes parents, un après-midi, j'ai vu Dante et j'étais sur le point de m'approcher de lui lorsque le type à qui il parlait s'est retourné. Mais ensuite, j'ai senti ma mâchoire se décrocher. Le gars ressemble exactement à Dante. J'ai incliné la tête. Deux d'entre eux ? Comment ? Quand Dante s'est retourné, je me suis cachée entre les porte-manteaux d'un magasin de vêtements jusqu'à ce que Dante et l'autre gars s'en aillent. J'ai couru jusqu'à ma voiture. Après avoir pleuré quelques minutes dans ma voiture, j'ai réalisé que c'était probablement la raison pour laquelle Dante ne se souvenait pas de tout, car ils étaient deux. Je veux dire, qui fait ça ? Ma tristesse s'est rapidement transformée en colère. Si les gars veulent jouer à des jeux, alors on doit jouer à des jeux. J'ai allumé le moteur et j'ai quitté le parking du centre commercial. J'ai suivi la mascarade des jumeaux. Avec le temps, j'ai pu déterminer quel jumeau était le bon. Je les ai appelés Dante 1 et Dante 2. Dante 1 avait un petit grain de beauté juste au-dessus de son sourcil et Dante 2 n'en avait pas. Mon plan pour me servir d'eux ne devait durer que quelques mois. Après quoi, je leur dirais que je savais ce qu'ils faisaient. Mais j'ai réalisé, au bout de 3 mois, que Dante 1 était le seul jumeau à venir me voir. Finalement, ma vengeance est envolée et je suis tombée amoureuse de Dante. Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse, n'est-ce pas ? Après 1 an, Dante 1 m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté. Environ 2 semaines avant le mariage, j'ai entendu Dante 1 au téléphone et mon sang s'est glacé.
Écoute, Chuck, une fois que j'aurai épousé cette nana, j'aurai tout l'argent. J'ai décidé d'engager un détective privé pour déterrer toutes les saletés sur Dante 1 et sa famille. Tout d'abord, le nom de Dante 1 était Alexandro et celui de son frère était Aiden. Il gagnait de l'argent en escroquant des femmes riches. Monsieur Finlay, leur père, a perdu son entreprise il y a environ 7 ans, à peu près au moment où leur mère est tombée malade. Au bout d'un an, elle est décédée et les garçons ont blâmé leur père car il n'avait pas les moyens de s'occuper correctement d'elle et l'avait abandonnée. Une fois que leur père s'est rétabli, les frères ont essayé de réintégrer sa vie, mais il leur a coupé les vivres et les a rayés de son testament. Dante 2 était veuf depuis peu. Après 6 mois de mariage, sa femme est décédée dans son sommeil. La famille de la femme pensait qu'il s'agissait d'un acte criminel, mais elle n'a jamais pu le prouver. Depuis lors, Dante 2 s'est marié 4 fois de plus et Dante 1 s'est marié 3 fois auparavant. Toutes les femmes sont mortes de la même façon. Mais avec leur addiction au jeu, l'argent n'était jamais suffisant. Je savais qu'il était temps de mettre fin à la mascarade. Merci de m'accompagner pour dire à Dante que le mariage est annulé. Ai-je dit en tournant la clé et en entrant dans la maison de Dante. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je suis prête pour ça. Tiffany a sorti le rouleau à pâtisserie de son sac. Tiffany m'a suivie jusqu'au bureau de Dante. J'ai poussé la porte et suis entrée dans le bureau. Tiffany et moi, nous sommes figés. Il y avait Dante 1 et Dante 2. Avant que je ne réalise ce qui se passait, Dante 1 et Dante 2 nous ont maîtrisé Tiffany et moi. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que Tiffany s'est effondrée sur le sol avant que je ne perde connaissance. Quand je me suis réveillée, Tiffany et moi étions sur un bateau attaché et bâillonné. « Attrape ses jambes !» Eden a fait un signe de tête à Alexandro. J'ai regardé avec horreur Tiffany se tortiller, se débattre alors qu'il la ramassait et la jetait par-dessus bord. « Non !» j'ai crié à travers mon bâillon. Des larmes ont coulé sur mon visage. Tiffany était morte et c'était ma faute. Quel est le plan pour celle-là? Eden m'a donné un coup de pied alors qu'Alexandro démarrait le moteur du bateau. Nous devons nous en tenir au plan. Chuck veut son argent. Une fois que nous avons accosté, j'ai été aveuglée et emmenée à un autre endroit. Quand on m'a enlevé le bandeau, je me suis retrouvée dans une pièce ressemblant à un donjon qui sentait mauvais. Il y avait un trou dans le sol pour les toilettes et un petit banc sur le coin. J'étais enchaînée. Alexandro m'a dit d'appeler mes parents et de leur dire que nous allions nous enfuir et que je devais avoir l'air heureuse. C'était les 2 minutes les plus dures de ma vie. Je ne savais pas si après ce coup de fil, je verrais ou entendrais à nouveau la voix de mes parents. Mes parents nous ont donné leur bénédiction et je leur ai dit que je serais au réseau pendant les 3 prochains mois et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour moi. Je leur ai promis qu'ils auraient de mes nouvelles dès mon retour. Alexandro m'a menacé de mettre une robe de mariée et des photos ont été publiées sur mes réseaux sociaux. Après qu'Eden ait falsifié notre certificat de mariage, 1 mois plus tard, ils ont simulé ma mort. Ils ont dit que j'étais morte dans un accident de bateau après qu'Alexandro et moi ayons pris un bateau de croisière privé pour une île lointaine. Alexandro, parce qu'il était mon mari, a eu tous mes biens. Après 6 mois de captivité, j'ai pu m'échapper après qu'Eden ait accidentellement laissé la porte de mon donjon déverrouillée. Il m'a fallu 3 jours avant d'arriver à la maison de mes parents. Sonia ! Maman a crié en me serrant dans ses bras et en me ramenant à l'intérieur. Papa a couru dans la pièce. Margaret, qu'est-ce que tu as dit ? Il a regardé maman avant de réaliser que j'étais dans la pièce. Mes parents m'ont emmenée chez un médecin privé qui m'a fait passer des tests. Ils n'ont jamais révélé au médecin ma véritable identité. Le médecin m'a recommandé de me reposer et m'a soumis à un régime strict jusqu'à ce que je sois capable de consommer des aliments comme il se doit. Environ 2 semaines après mon évasion, mes parents ont payé non seulement pour que je subisse une chirurgie plastique, mais ils ont également fait un relooking complet. Nous avons également changé légalement nos noms. Ils savaient que les jumeaux étaient probablement toujours à ma recherche et ils n'allaient pas me perdre 2 fois. Après avoir guéri de la chirurgie plastique, nous avons déménagé dans un autre pays et espéré commencer une nouvelle vie. Et que faites-vous lorsque vous essayez de commencer une nouvelle vie, mais que votre ancienne vie revient vous hanter? En faisant mes courses dans un magasin, j'ai vu Tiffany aider un client. Oui, vous avez bien entendu. Comment cela peut-il être possible? Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai engagé une femme de ménage, Amanda, pour se lier d'amitié avec Tiffany. Je lui ai dit quoi dire et comment agir. Nous avons également changé son nom en Stéphanie. Une fois qu'Amanda a établi une relation avec Tiffany, je lui ai dit de l'inviter au club. Nous avons mis Amanda sur écoute et envoyé 2 agents de sécurité privés pour la surveiller au cas où quelque chose tournerait mal. Au club, Alexandro et Eden sont arrivés. Hé, Stéphanie, j'aimerais te présenter mes 2 frères, Eden et Alexandro. Ma mâchoire s'est décrochée. Ses frères ? Tiffany a expliqué que son père avait eu une liaison avec sa secrétaire qui est morte pendant l'accouchement, mais contrairement à ses frères, elle a pris le nom de famille de sa mère et non celui de son père. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert que j'étais une cible la première semaine où Tiffany m'a rencontrée au centre commercial et je suis tombée dans son jeu. J'ai engagé un détective privé pour suivre Monsieur Finlay pendant environ 2 semaines avant de faire mon coup.
Monsieur Finlay était une version plus vieille et plus belle de ses fils. Je savais que je devais faire attention pour réussir. Est-ce que je me sentais mal d'avoir impliqué Monsieur Finlay dans cette histoire? Peut-être juste un peu, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Le vendredi après-midi, Monsieur Finlay a visité des galeries d'art. J'ai fait en sorte d'être à la dernière galerie d'art qu'il visitait cet après-midi-là. Je me suis approchée de lui alors qu'il fixait une des photos. Avez-vous déjà trouvé ce que c'est? Monsieur Finlay m'a souri. Pas encore. Avez-vous des idées? Il a souri. Ça ressemble à une girafe que j'ai dessinée quand j'avais 5 ans. Et quand j'ai demandé à maman ce que c'était, elle m'a dit que c'était un chien. Monsieur Finlay a ri de bon cœur. Nous sommes passés d'une photo à l'autre et à la fin de la soirée, nous avons pris un verre tard le soir au Marianos, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Il n'a pas fallu longtemps pour que je gagne le cœur de Monsieur Finlay, ou devrais-je dire Giovanni. Après 3 mois, Giovanni et moi nous sommes enfuis. Une leçon que j'ai apprise du passé, toujours avoir des renforts et des caméras. Sans le dire à Giovanni, j'ai placé 2 petites caméras dans toute la maison et j'ai payé une société pour surveiller mes beaux enfants. On m'a dit qu'ils voulaient me kidnapper. La nuit de l'enlèvement, j'ai remarqué qu'ils étaient entrés dans la maison et j'ai déclenché mon alarme qui a alerté la police. Je me suis assise dans le bureau et j'ai attendu qu'ils fassent irruption. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai levé les mains en l'air. Alexandro, Eden et Tiffany portaient des masques et des vêtements noirs. « Nous voulons juste te kidnapper pour quelques jours. Votre mari paiera une forte somme pour vous ramener saine et sauve », a déclaré Tiffany. « Attrapons-la et partons d'ici », a dit impatiemment Alexandro. Tiffany est passée derrière la table et a attrapé mes bras pendant qu'Eden gardait son arme sur moi. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. C'était Giovanni. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Giovanni a regardé autour de la pièce. « Monsieur, restez là !» Eden a essayé de déguiser sa voix. « Eden, c'est toi ?» Giovanni a pris le masque de la personne la plus proche de lui. C'était Alexandro. Distrait, j'ai giflé l'arme des mains d'Eden et elle est tombée sur le sol. Tiffany, Eden et moi nous sommes précipités pour récupérer l'arme. Dans la bagarre, le coup est parti 2 fois. Tout le monde s'est figé. Giovanni a gémi et ses genoux ont cédé. Tandis qu'Alexandro tenait son côté. Nous avons tous regardé d'où venait le tir. Tiffany a retiré son masque. Ses yeux étaient écarquillés de peur qu'elle lâchait l'arme de sa main. Tiffany et moi avons couru aux côtés de Giovanni, tandis qu'Eden courait pour aider son frère. « Tiffany, nous devons partir !» Eden a essayé d'attraper la main de Tiffany tandis qu'il soutenait Alexandro avec son autre bras. « Papa !» Tiffany a crié. « Bien !» Eden a rétorqué et a quitté la pièce avec Alexandro. Quelques secondes après qu'ils aient quitté la pièce, j'ai entendu des sirènes et des agents de police faire irruption dans la pièce. Giovanni a été emmené d'urgence à l'hôpital et Tiffany a été menottée. La police m'a interrogée à l'hôpital pendant que Giovanni était en chirurgie. Alors, comment s'est terminée mon histoire? Giovanni est mort et j'ai maintenant une fortune nette de 100 millions de dollars. Tiffany, Eden et Alexandro ont purgé des peines consécutives de prison à vie pour entrer par effraction, tentative d'enlèvement, tentative de meurtre et agression aggravée avec une arme mortelle. Après la mort de Giovanni, j'ai ouvert une fondation en souvenir de lui pour aider les personnes qui avaient besoin d'une aide financière. Ce n'est pas une fin de conte de fées, mais c'est la fin que je méritais. Je passais une mauvaise matinée. D'abord, l'électricité a été coupée pendant que je prenais ma douche, puis ma voiture n'a pas démarré et maintenant je suis là, à attendre que les habitants de l'immense manoir ouvrent leurs portes et me laissent entrer pour que je puisse nettoyer les 1000 pièces qu'ils n'utilisent probablement jamais. Allô? Non, s'il vous plaît. Une voix d'homme est apparue dans l'interphone de la porte. Même sa voix était riche. J'ai roulé les yeux. Jenny de Sparkly Home Service. J'ai dit avec ma voix professionnelle habituelle. Oh oui, désolée de t'avoir fait attendre. J'ai oublié que tu venais aujourd'hui. Entre, s'il te plaît. La porte a fait un bruit de bourdonnement et s'est ouverte. Et j'ai pris mes produits de nettoyage et j'ai remonté l'allée ridiculement longue. J'ai sonné à la porte et j'ai dû attendre encore une fois que Son Altesse Royale descende de son trône et vienne m'ouvrir la porte. Si je n'avais pas peur d'être virée, je lui dirais ce que je pense. J'étais tellement en colère contre lui pour... La porte s'est ouverte et toute ma colère s'est évaporée. Devant moi se tenait le plus bel homme que j'ai jamais vu. Hey, encore désolé, j'étais sur un appel international important auquel je ne pouvais pas me soustraire. Je suis Andy. Je ne pouvais pas voir mon visage, mais j'étais sûre que je rougissais. C'est, ok, je suis ici pour vous nettoyer, nettoyer votre maison. Avez-vous déjà été si embarrassé que vous avez souhaité que la terre s'ouvre et vous avale? C'était moi qui me tenais maladroitement devant Andy. Vous voulez savoir quelle a été sa réaction? Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Aussi, s'il vous plaît, sauvez-moi en appuyant sur la cloche de notification. Hé, tu te sens bien?
Andy a tendu une main pour toucher mon front, mais j'ai fait un pas en arrière si vite que j'ai trébuché et suis tombée sur mes fesses. Oh non, tu t'es fait mal! Il m'a tendu la main, mais je ne l'ai pas prise. Je vais bien, je peux me lever toute seule. J'ai essayé de me lever, mais une douleur m'a traversé la cheville. Aïe! J'ai crié en retombant maladroitement sur le sol. Le regard amusé sur le visage d'Andy a été remplacé par de l'inquiétude. Je pense que tu t'es tordu la cheville. Laisse-moi t'aider. Il m'a soulevée avec précaution et m'a portée dans la maison. Je dois juste mettre de la glace dessus et je pourrai commencer à nettoyer. Quoi? Il n'y a aucune chance que tu puisses travailler. Si je ne le fais pas, je vais avoir des problèmes au travail. Je ne peux pas me permettre de... Je repense à la douche froide que j'ai prise ce matin-là et à ma voiture qui doit aller chez le mécanicien. J'avais besoin de travailler. Je dirais juste à ton patron que tu as tout nettoyé. L'endroit n'est pas si sale de toute façon. Tu as besoin d'un jour de congé. Andy n'était pas seulement beau, il était aussi gentil. C'est très gentil de votre part, merci. Je ferais mieux d'y aller. Vous avez une belle maison d'ailleurs. Merci. Et si je te conduisais? Vous n'avez pas à faire ça. Je le veux. Allez, on prend tes affaires et on y va. On a mis mes produits de nettoyage dans la voiture d'Andy et on les sortit de sa propriété. Où habites-tu? Je lui ai donné mon adresse. Ma mère, mon frère et moi vivons dans une partie de la ville très différente de celle d'Andy. Notre immeuble était vieux, la peinture s'écaillait sur les murs et l'eau fuyait de la plupart des tuyaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Dès que ma cheville ira mieux, je viendrai nettoyer gratuitement. On était assis dans la voiture d'Andy garée devant notre appartement. Je l'aurais bien invité à entrer, mais j'étais gênée qu'il puisse voir à quel point nos conditions de vie étaient mauvaises. Jenny, je peux avoir ton numéro? Peut-être qu'on pourrait sortir dîner. Mon cœur a commencé à tambouriner si fort que j'ai eu peur qu'il puisse l'entendre. Ouais, bien sûr. Il m'a tendu un stylo et une feuille de papier et j'ai écrit mon numéro. Quelques jours ont passé, mais Andy n'a jamais appelé ou envoyé de message. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais en espérant que c'était lui. Après presque une semaine, j'ai abandonné et décidé de l'oublier. Cependant, un matin, un appel est arrivé d'un nouveau numéro. C'était Andy. Il s'est excusé d'avoir mis du temps à m'appeler, disant qu'il était en voyage d'affaires en dehors de la ville. Es-tu libre ce soir? Oui, je le suis, j'ai dit avec enthousiasme. Et si je t'invitais à dîner? J'ai retiré mon téléphone de mon oreille et j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Un dîner semble charmant. Super, je passerai vers 19h. À plus tard. Le reste de ma journée était flou. J'ai emprunté de l'argent à maman et je suis allée faire du shopping. J'ai acheté une belle robe de soirée, puis je me suis fait faire les ongles et les cheveux. J'allais la rembourser dès que j'aurais encaissé mon chèque de salaire que j'avais récupéré le matin même. J'étais si nerveuse que je n'avais presque rien mangé de la journée. « Où est-ce que ton petit ami chic t'emmène ?» Mon jeune frère Alex, qui est rentré de l'université, a demandé. « Ce n'est pas mon petit ami. »« Mais tu as souri toute la journée comme une idiote. »« Je t'ai même vu entrer dans une porte parce que tu avais oublié qu'elle était là. » Alex était ennuyeux, mais je l'aimais. J'ai refusé d'aller à l'université pour qu'il puisse y aller. Maman ne pouvait payer que pour l'un d'entre nous. Mon téléphone a sonné et j'ai failli le faire tomber. « Il est là !» J'avais les mains moites et j'ai dû prendre plusieurs respirations profondes avant d'ouvrir la porte. « Waouh, tu es magnifique !» Merci, le costume te va bien. Andy nous a conduits dans un restaurant 5 étoiles que je connaissais très bien car j'y allais souvent pour faire le ménage. Je n'avais jamais passé par l'entrée principale. Mes collègues et moi allions et venions toujours par l'entrée de service. Salut, je suis Mario, je serai votre serveur ce soir. Alors qu'il me tendait le menu au restaurant, Mario a écarquillé les yeux en me reconnaissant. Il vivait en face de chez nous et c'était le meilleur ami d'Alex. J'ai jeté un coup d'œil au menu et j'ai perdu mon appétit. Certains plats coûtent plus cher que notre loyer. Vous êtes prêt à commander? Waouh, tout semble si... délicieux, je sais. J'allais dire cher. Après quelques minutes à tripoter le menu, j'ai commandé un simple plat de spaghettis dont le prix était encore ridicule. Andy, de son côté, ne s'est pas retenu. Il a commandé un steak avec un accompagnement de fruits de mer et une bouteille de vin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce qui est drôle? Je suis désolée, mais ta commande est suffisante pour nourrir un petit pays. Je n'ai pas pu résister, tout est si bon ici. Le reste de la soirée a été parfait. Andy a ri à toutes mes blagues, même les plus nulles. À la fin de notre soirée, Mario a apporté notre facture. Andy l'a regardé puis a pris son portefeuille dans la poche de son pantalon. Il s'est levé brusquement et a vérifié ses poches arrière. Ça ne peut pas arriver! Andy, qu'est-ce qui ne va pas? Mon portefeuille, je n'arrive pas à le trouver! Tu l'as peut-être fait tomber dans la voiture? Probablement. Attends ici, je reviens tout de suite. Il est sorti rapidement. Mario et moi avons attendu dans un silence gênant. Après quelques minutes, Andy était de retour. Tu l'as trouvé? Non, j'ai dû le laisser tomber à la station-service. J'y suis allée avant de venir te chercher. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'avais pas assez d'argent pour couvrir notre énorme facture. Les gens assis à d'autres tables commençaient à nous fixer. Je peux t'emmener au bureau de la directrice, elle saura quoi faire.
Pas besoin de ça. J'ai quelque chose qui va couvrir notre facture. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai tendu à Mario le chèque de salaire que j'avais reçu ce matin. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon salaire pour la semaine. Vous avez ma permission de l'encaisser. Andy s'est rapidement avancé. Oh non, non, je ne peux pas te demander de faire ça. C'est bon, on devrait partir maintenant. Je te promets de te rembourser dès que j'aurai trouvé un distributeur automatique. S'il te plaît, non. Considère que c'est mon cadeau. Sérieusement ? Oh, tu es la meilleure. J'étais tellement gênée là-dedans. Alors que nous sortions du restaurant, je me suis demandé comment j'allais couvrir mes factures et mes dépenses jusqu'à mon prochain salaire. Et aussi, comment j'allais rembourser maman. Quelques jours ont passé et Andy n'avait toujours pas trouvé son portefeuille. Il a dit qu'il attendait une nouvelle carte de crédit et de retrait de sa banque. Pendant la semaine, nous sommes allés au cinéma et à quelques déjeuners. Tout ça à mes frais. Chaque fois que nous commandions un plat à emporter chez lui, je payais. Il m'a dit de garder tous les reçus pour qu'il puisse me faire un gros chèque pour toutes les dépenses que je couvrais. J'ai dû faire des heures supplémentaires au travail pour combler l'énorme creux laissé par notre facture de dîner et nos autres rendez-vous. Je te paierai le double de la somme, ne t'inquiète pas, d'accord ? Tu es une petite amie parfaite. Il a dit un soir alors que nous regardions la télé chez lui. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi sur un nuage. Andy m'avait appelée sa petite amie. Qu'est-ce qui te rend si heureuse ? Alex a demandé quand il m'a vu sourire et envoyer des SMS. Si j'étais un personnage de dessin animé, j'aurais des émojis en forme de cœur qui tourbillonneraient dans mes yeux. Rien. Alex a pris mon téléphone et a regardé mes textes. Tu vois toujours ce loser ? Est-ce qu'il t'a déjà remboursé ? Non, mais il le fera bientôt. Je ne peux pas le croire. Tu sais, Mario m'a dit quelque chose sur lui, mais je voulais pas te contrarier, alors j'ai gardé ça pour moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le restaurant où il travaille a servi de traiteur à l'anniversaire d'un riche, il y a 2 jours. Mario a vu Andy là-bas. Alors, il est probablement ami avec l'hôte. Jenny, il était là avec une fille. Tu mens ou Mario ne sait pas ce qu'il a vu. Ou peut-être que c'était sa sœur. Tu t'entends ? Tu lui trouves des excuses comme tu l'as toujours fait. Il se sert de toi, Jenny. Sors de ma chambre. Je ne pouvais plus écouter ces accusations ridicules. Andy était parfait. J'ai décidé de ne pas demander à Andy ce qu'Alex m'a dit. Mais après quelques jours d'interrogation, je ne pouvais plus garder ça pour moi et je lui ai demandé si c'était vrai. Il a nié avoir été à la fête mentionnée par Mario. C'était il y a une semaine. Il m'a ramenée à la maison plus tard cette nuit-là et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. J'avais besoin de faire quelque chose. Après le travail, je suis allée chez lui. J'ai entré le code qu'il m'a donné à la porte et je suis entrée dans l'enceinte. Quand j'ai sonné à la porte, j'ai fermé les yeux et j'ai espéré qu'il était chez lui. Quand la porte est ouverte, je n'ai pas attendu qu'il parle. Andy, je suis désolée. Je me suis arrêtée au milieu de ma phrase parce que la personne qui se tenait là n'était pas Andy. Il s'agissait d'une vieille dame aux cheveux grisonnants avec une canne. Quand elle m'a vue, elle a fait un pas en arrière. Comment avez-vous passé notre porte ? Barry, viens, je crois qu'on se fait cambrioler. Quoi ? Attendez, madame, je ne suis pas une voleuse, je suis la petite amie d'Andy. Est-il ici ? La dame était probablement sa grand-mère ou quelque chose comme ça. Comme c'est gentil de sa part de la laisser lui rendre visite, mon petit ami a été tellement attentionné. Jeune femme, qui est Andy ? Un homme tout aussi âgé a demandé en rejoignant la dame. Andy, votre petit-fils ? Il a probablement parlé de moi, je suis Jenny. Ils se sont regardés confusément. J'ai cherché une photo d'Andy sur mon téléphone et je leur ai montré. Oh, tu veux dire Andrew, le gardien de la maison ? Leurs visages se sont illuminés de reconnaissance. Il est parti dès que nous sommes revenus de notre voyage à l'étranger. C'est un jeune homme charmant. Il s'est si bien occupé de notre maison. Il a fait quoi maintenant ? Non, ce n'est pas possible. La dame a dû sentir ma détresse car elle m'a invité à entrer à m'asseoir. La première chose que j'ai remarquée, c'est que l'énorme portrait d'Andy, qui était normalement accroché à l'un des murs du salon, avait disparu. Donc Andy ne possède pas cette maison ? J'ai bien peur que non, ma chère. Andy était notre gardien de maison. Nous l'avons engagé par une société appelée Sparkly Home Service. Oh mon Dieu ! On a travaillé pour la même entreprise ! J'allais être malade. Respire profondément, ma chère. La dame a posé sa main sur mon épaule et j'ai commencé à sangloter. Comment ai-je pu être aussi stupide ? Très bien, les gars. Laissez-moi prendre quelques mouchoirs, je reviens tout de suite. Après m'être calmée, je leur ai tout raconté depuis le premier jour où j'ai rencontré Andy chez eux. Monsieur et Madame Barry ont été choqués par mon histoire. Je les ai remerciés de m'avoir écoutée et j'étais sur le point de partir quand Madame Barry m'a arrêtée. J'ai une idée. Et si on faisait goûter à Andy sa propre bêtise ? Comment on fait ça ? Laisse-moi faire. Sois juste ici demain à 10h. Madame Barry a souri. Oh garçon, je connais ce sourire. Elle est sur le point d'avoir des problèmes. Monsieur Barry a ri. Le lendemain, je suis allée chez les Barry, comme convenu. D'accord, Jenny, tu es prête ? Nerveuse, mais oui, je suis prête.
Bien, car il se dirige vers la porte d'entrée maintenant. Madame Barry a dit qu'elle se tenait près de la fenêtre face à la porte. Je parie que tu te demandes ce que nous avons fait. Eh bien, plus tôt ce matin-là, Madame Barry a appelé Sparky Home Service et leur a dit qu'elle avait demandé de réembaucher Andy. Il a immédiatement accepté le poste. Quand il a sonné à la porte, mon cœur a commencé à battre. Entrez, Andrew! Merci, Madame Barry. Mon superviseur a dit que vous... Salut, Andrew. C'est sympa de rencontrer enfin le vrai toi. J'ai dit en faisant un pas en avant pour qu'il puisse me voir. Ses yeux se sont élargis. Jenny, je peux t'expliquer. Garde ta salive. Je ne suis pas d'humeur pour un autre de tes mensonges. Je voulais juste voir la tête que tu ferais quand tu me verrais. Nous sommes très déçus de vous, Andrew. Nous vous avons fait confiance avec notre maison et notre voiture et vous les avez utilisées pour mentir à Mademoiselle Jenny. Mais je suis... Andy a fait un pas en arrière, puis un autre, et devinez ce qu'il a fait. Il s'est enfui comme un fou. Les Barry ont déposé une plainte contre Andy et il a été licencié immédiatement. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Malgré mon regret d'avoir laissé Andy me tromper, c'était une bénédiction déguisée car les Barry m'ont engagé pour cuisiner et nettoyer pour eux tous les jours. Leur salaire était tellement meilleur. En quelques mois, j'ai pu nous faire passer de notre ancien appartement à un bien meilleur. J'ai également pu payer mes cours en ligne restants. Et surtout, j'ai appris ma leçon. J'ai attendu dans un coin de la pièce, nerveusement excité. Je savais que d'une minute à l'autre, mon meilleur ami Marc allait entrer dans la classe. J'ai souri à moi-même en pensant à ce qui allait se passer. J'avais tout préparé. Le seau était en équilibre précaire sur le bord de la porte. La porte s'est ouverte. Je pouvais dire dès que Marc m'a vu qu'il savait ce qui allait se passer. Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Le seau a dégringolé, déversant son contenu sur la tête de Marc. Je m'attendais à ce que Marc éclate de rire comme il le faisait habituellement lorsque je lui faisais des farces. Mais à la place, il a poussé un cri guttural qui m'a transpercé le corps. Ah ! J'ai soudainement arrêté de rire quand Marc s'est effondré sur le sol. Si vous pensez que cela est choquant, vous serez époustouflé lorsque vous verrez ce qui se passe à la fin de la vidéo. J'ai toujours été un farceur et Marc le savait. Il était souvent la victime de mes farces. C'était juste un modèle typique pour son anniversaire. C'était ma façon de lui montrer que je l'aimais. Mais d'une manière ou d'une autre, tout avait mal tourné. Marc était allongé sur le sol, hurlant de douleur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux! Mes yeux! Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Ils brûlent! Quelqu'un a dû appeler l'infirmière car soudain, je l'ai senti à côté de moi. Ici, laissez-moi jeter un œil. Je me suis écarté du chemin et j'ai regardé comment il commençait à baigner son visage avec de l'eau froide. Je suis resté là, hébété. Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'y avait que de l'eau dans le seau. Comment pouvait-il avoir si mal? Vous devrez aller à l'hôpital pour faire examiner votre visage et vos yeux. Je vais avec lui. L'infirmière a appelé une ambulance. Pendant qu'on roulait vers l'hôpital, je suis resté assis à regarder Marc. Je me sentais mal. Je suis vraiment désolé, Marc. Mais il ne m'a même pas répondu. Il est resté allongé, les mains sur les yeux. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins l'ont emmené pour l'examiner. Je suis allé m'asseoir dans la salle d'attente. Après environ une demi-heure, le docteur est venu me voir. Il avait l'air très sérieux. C'est de la javel qui était dans ce seau, pas de l'eau. J'ai bien peur que votre ami soit maintenant aveugle. Quoi? Non, ça doit être une erreur. Je sais que j'ai mis de l'eau dans le seau. Ce n'est certainement pas une erreur, je peux vous l'assurer. J'étais désemparé. J'arrive pas à y croire. Comment ça a pu si mal se passer? Je me sens mal. Je peux le voir? Oui, mais juste pour quelques minutes. Il a besoin de se reposer. J'ai suivi le docteur alors qu'il me conduisait à la chambre de Marc. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire à Marc. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai été choqué de le voir allongé sur le lit. Des bandages couvrant ses yeux. Oh Marc, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai aucune idée comment la javel s'est retrouvée dans le seau. Je voulais seulement te tremper. C'est bon, Jason. Je sais que c'était juste une de tes blagues. Je ne suis pas en colère contre toi. Mais tu es aveugle maintenant. Comment pourrais-tu me pardonner? Je ne veux pas d'histoire. C'est la vie. Écoute, je me sens un peu fatigué maintenant. Cela te dérangerait-il de me laisser dormir? Non, non, bien sûr que non. Je reviendrai te voir demain. Ok. Je suis sorti de la chambre et j'ai traversé le couloir. J'étais tellement étourdi que je n'ai pas remarqué que les parents de Marc marchaient vers moi. Qu'as-tu fait à mon fils? Je suis désolé, je ne voulais pas. Toi et tes farces stupides. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Nous allons porter plainte. J'ai fondu en larmes et j'ai couru hors de l'hôpital. Je ne m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. Les parents de Marc ont été fidèles à leur parole.
Ils sont allés à la police et ont porté plainte. J'ai été traduit en justice et condamné à 5 ans de prison. Quand j'ai entendu les mots du juge, j'étais désemparé. J'ai regardé ma mère et mon père assis dans la galerie. Leur visage était si triste. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie était terminée. Mais ce n'était pas le cas. Mon premier jour à la prison a été horrible. J'étais mort de peur. Tout le monde me fixait comme s'il évaluait le nouveau. Personne ne m'a souri, personne ne m'a dit bonjour. Je vais détester cet endroit. Mais ensuite, j'ai rencontré Franck. Il était assis seul à une table, alors je suis allé vers lui. Je peux me joindre à toi, si tu veux. Franck était un dur à cuire. Il venait aussi d'entrer en prison et avait été condamné à 5 ans lui aussi. Nous avons commencé à discuter, il n'a pas fallu longtemps pour que nous réalisions que nous nous aimions vraiment. Et une fois que je suis devenu ami avec Franck, les autres prisonniers ont eu un nouveau respect pour moi. Franck n'acceptait pas les bêtises de qui que ce soit, il me protégeait aussi. Les autres prisonniers avaient peur de me contrarier car ils savaient que si Franck l'apprenait, ils auraient de gros problèmes. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sois traité comme un prince. Les gens se prosternaient devant moi partout où j'allais. J'avais le meilleur lit de la prison et aux heures des repas, des serveurs s'assuraient toujours que j'avais de la nourriture supplémentaire. Vous allez probablement penser que c'est bizarre, mais j'ai vraiment aimé être en prison. C'était génial de se sentir si puissant. On avait tous des corvées différentes à faire, mais je n'ai jamais fait la mienne. J'ai toujours demandé à quelqu'un d'autre de les faire pour moi. Et toi ? Oui Jason, qu'est-ce que c'est ? C'est mon tour de nettoyer les toilettes aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de le faire. Alors tu vas le faire pour moi, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et assure-toi de faire du bon travail, je ne veux pas que les gardes pensent que je me relâche. Pas de problème, je vais m'assurer qu'il brille. Je me suis moqué en regardant le prisonnier s'enfuir en direction des toilettes. Au fil des semaines, ma vie s'est améliorée. J'ai passé tout mon temps soit à m'allonger dans mon lit, à discuter avec Franck ou à manger. Mais un jour, tout a changé. J'étais allongé sur mon lit quand un garde est entré dans la cellule. Venez avec moi, vous avez un appel téléphonique. J'étais choqué. Nous n'avions des appels qu'une fois par semaine et j'avais déjà parlé à mes parents le week-end dernier. Je me demande qui peut bien m'appeler. J'ai décroché le téléphone. Jason ? Maman ? Est-ce que tout va bien ? Ce n'est pas papa, n'est-ce pas ? Non, non, ton père va bien. J'ai une nouvelle fantastique. Quoi ? On va te laisser sortir. Quoi ? Comment ça se fait ? La police avait des soupçons sur ce qui s'est passé avec Marc. Ils ont vu combien tu étais bouleversé et ils ont su que tu l'aimais vraiment. Ils ont fait une enquête plus approfondie et ils ont découvert que Marc avait menti depuis le début. Quoi ? T'es sérieuse ? Oui, la cécité, la décoloration, tout était faux. J'étais si confus. Tu peux rentrer à la maison. Ils vont te laisser sortir tout de suite. Nous sommes impatients de te voir. J'ai posé le téléphone et regardé le garde dans l'état de choc. Allez préparer vos affaires, vous êtes libre de partir. J'ai fait mon sac et je suis allé chercher Franck. On me laisse sortir. Marc mentait en disant qu'il était aveugle. Je ne lui ai rien fait. Je suis si heureux pour toi. Je te verrai dans quelques années quand je sortirai. J'ai serré Franck dans mes bras et lui ai dit au revoir. Vous pensez probablement que je serais si heureux de sortir, mais en fait, c'était doux amer. Franck allait tellement me manquer. Le garde a ouvert la porte et m'a laissé sortir dans la rue. J'étais sur le point de prendre la route quand un fourgon de police s'est arrêté. Ils ont ouvert la porte et quelqu'un a marché sur le trottoir. C'était Marc. Et il avait des menottes. Marc ? Il a regardé vers moi. Pourquoi ? Pourquoi as-tu menti ? Parce que j'en avais marre que tu me fasses des farces tout le temps. Je voulais que tu goûtes à ta propre bêtise. Tu t'es vu mettre le seau d'eau sur la porte. Alors quand tu ne regardais pas, j'ai changé l'eau contre la javel. Puis je mets des lentilles dans mes yeux pour les protéger. Mais le docteur m'a dit que tu étais aveugle. Oh, j'ai juste fait semblant. J'ai juste dit au docteur que je ne pouvais rien voir du tout. Mais comment as-tu pu laisser tes parents porter plainte ? Comment as-tu pu me laisser aller en prison ? J'étais heureux que tu ailles en prison. J'étais enfin libéré de toi. Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression qu'un couteau avait été planté dans mon cœur. Je me sentais si triste. Je pensais que nous étions les meilleurs amis. Mais maintenant, je me suis fait un véritable ami, Franck. Il est en prison et maintenant tu vas le rejoindre. Je vais m'assurer que Franck sache tout ce que tu m'as fait. Marc avait l'air effrayé. Ne me juge pas, la prison peut te changer. Et la prison m'a transformé en prince. C'était difficile de retourner à l'école et de devoir réajuster ma vie. Je m'étais habitué à être traité comme un prince et maintenant je n'étais plus personne. Je ne pouvais pas contrôler les autres enfants comme j'avais pu le faire avec les autres prisonniers. Je n'arrivais pas à leur faire des choses pour moi et je n'avais pas d'avantages supplémentaires. C'est pourquoi j'ai décidé que je devais trouver un moyen de retourner en prison. Je savais que je devais trouver un bon plan pour me faire arrêter à nouveau. Il n'était pas nécessaire que ce soit quelque chose de trop sérieux. Le simple fait que je sois un ancien prisonnier me ferait enfermer même pour une infraction mineure. J'ai attendu devant l'école jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Une fois la voie libre, je suis retourné à l'école et j'ai commencé à vandaliser l'une des salles de classe.
J'ai fait en sorte de faire beaucoup de bruit pour que le concierge m'entende. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'entende le son des sirènes de la police se dirigeant vers l'école. « Vous êtes en état d'arrestation !» L'officier m'a mis les menottes. « Vous irez en prison pour avoir fait ça !» J'ai souri à moi-même alors que les policiers m'emmenaient. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Dès que je suis entré en prison, je suis allé chercher Franck. « Je suis de retour !»« T'as pas mis longtemps !»« Où est Marc ?» Franck a pointé du doigt l'autre côté de la pièce. « Là-bas, c'est le nouveau prince par ici !» Mon visage s'est effondré quand j'ai entendu les mots de Franck. Puis mon choc s'est transformé en colère. Pas question qu'il prenne ma place ici, je vais lui montrer. Je me suis précipité vers Marc. Jason, que fais-tu ici? Peu importe ce que je fais ici, ce qui compte c'est que je suis de retour et que je reprends mon titre de prince de la prison. Oh non, je ne pense pas Jason, je suis le prince maintenant, tout le monde t'a oublié. Nous verrons bien, fais attention à toi. Les jours suivants, Marc et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour prendre le dessus sur l'autre. Même si Marc avait quelques fidèles, il n'avait pas le soutien de Franck. J'ai commencé à demander à quelques prisonniers de faire des choses pour moi, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de diriger tout le monde, comme je l'avais fait avant. Alors j'ai décidé de faire un discours à toute la prison. J'ai attendu que tout le monde soit dans le réfectoire pour le dîner et je me suis levé sur une chaise. Silence ! Silence ! Lentement, le bruit des bavardages a commencé à se calmer. Il ne peut y avoir qu'un seul prince dans cette prison. Vous allez tous devoir choisir entre Marc et moi. Vous me connaissez tous, vous savez que je vous protégerai et je vous traiterai avec respect si vous me choisissez comme prince. Marc, par contre, ne sait pas comment bien traiter les gens. Il a prouvé avec ce qu'il m'a fait. Seule une personne cruelle piégerait son meilleur ami et le ferait accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il ne vous traitera qu'avec cruauté. C'est le seul moyen qu'il connaisse pour obtenir ce qu'il veut. Je suis votre prince, choisissez-moi. J'ai regardé dans la pièce pour voir quelle serait leur réaction. Les prisonniers sont restés silencieux pendant quelques secondes, puis un par un, ils ont commencé à se lever et à applaudir. Jason, 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 Jason. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la prison se joigne au chant. J'ai regardé Marc et j'ai souri. Je suppose qu'ils ont fait leur choix. Maintenant, la vie est redevenue à la normale dans la prison. Je suis le prince et la vie ne pourrait pas être meilleure. En fait, c'est possible. Ça serait parfait si Franck et moi étions tous deux sortis de prison. C'est pourquoi nous faisons des plans maintenant. Nous avons décidé que lorsque nous sortirons d'ici, dans 4 ans, nous ouvrirons ensemble notre propre entreprise. Nous allons gérer un service de garde du corps. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de demander qui sera le président, ou plutôt le prince de la société.